Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il est assez tard. C'est pour ça que la lumière est pas top top. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que je vous avais promis l'année dernière. Donc c'est une vidéo sur mes figurines pop. Donc j'en ai pas mal à vous montrer. Donc je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Donc on va commencer tout de suite donc avec celles qui viennent en premier. Donc pour commencer j'ai ce petit Stitch là qui est vraiment sublime. Moi je l'adore. Vraiment c'est mon petit bébé, vous le savez. Donc j'ai celle-ci et j'ai exactement la même, sauf que vous pouvez voir que la matière n'est pas du tout la même. Qu'est-ce qu'il va vouloir zoomer? Je ne sais pas. Pépère, tu zoomes? Tu fais quoi Maurice? Oh. Donc il n'a pas vraiment envie de zoomer j'ai l'impression. Ah voilà. Donc vous voyez c'est vraiment deux matières différentes. Donc vraiment ceux-là je les aime énormément. Ensuite, toujours de Stitch, je l'ai en Elvis, il est vraiment sublime. Donc ceux-là, ils n'ont plus leur boîte parce qu'ils sont dans mon meuble qui est juste derrière ici. Et l'autre Stitch qui n'a toujours plus de boîte, c'est celui-ci, donc quand il est en petit hawaïen. Donc c'est bizarre parce qu'un coup sur deux, il veut faire le zoom. Donc allez comprendre, j'ai envie de dire, je ne sais pas, voilà. Donc avec sa petite noix de coco, sa petite chemise, il est vraiment très très canon. Donc voilà pour ceux qui n'ont plus de boîte. Donc, je vais essayer de me remettre correctement. Ensuite celle-ci donc vous la connaissez puisque je vous l'ai présentée dans mes cadeaux de Noël. Donc c'est la Winnie. Donc ça c'est mon petit frère qui me l'avait offert. Elle est vraiment très très belle. Donc celle-ci est encore dans sa boîte. Ensuite une autre que j'aime énormément. Et là il faut que je la complète cette collection là parce qu'elle est juste à tomber par terre. Donc c'est Mrs. Samovar et Zip, donc je les aime beaucoup et du coup j'aimerais avoir Lumière et Big Ben, donc qui sont comme ceci. Donc là il faut que je les trouve parce que ça c'est une ancienne collection, donc voilà, ceux-là ils sont vraiment très très beaux. Ensuite, alors une qui est pas du tout Disney, c'est la licorne de Moi Moche et Méchant 3. Donc vraiment celle-là il me la fallait absolument, donc je suis vraiment trop contente, je l'aime énormément. Lui Alan a un des mignons. Donc moi là je vous montre uniquement les miennes hein, parce qu'Alan en a aussi. Il a le docteur Facilier. Il a qui d'autre? Il a Maui, il a Dwayne Johnson dans Jumanji. Et il en a une autre. Je me souviens plus. Enfin c'est moi qui lui ai offert et je m'en souviens plus. Ah bah il y a un mignon, je suis bête. Ensuite alors une que j'ai trouvée que j'étais trop contente parce que ça je pense que je vous l'ai peut-être jamais dit ou si peut-être mais je me souviens plus trop. J'adore les Gremlins et surtout Gizmo, je suis totalement fan de Gizmo. Donc j'ai réussi à la trouver en figurine pop à Micromania, donc j'étais trop trop contente. Mon petit Gizmo il est trop trop canon. Ensuite pour celles qui me suivent depuis oula un petit moment maintenant, vous savez mon amour pour Croque-Mou, donc de dragon, et donc je l'ai comme ceci, donc vraiment avec on voit mal c'est chiant, je vais essayer de vous l'ouvrir, je sais pas si je vais y arriver, j'ai plus beaucoup de batterie donc c'est un peu galère tout pour bien faire. Voilà il est comme ceci et donc en fait on voit sa queue avec le harnais. Donc que Harold lui a fait. Donc voilà. Tac. Donc moi j'aime vraiment que Croque-Mou hein, dans Dragon. Je peux pas y arriver. Je fais un petit peu de bazar en plus, c'est pas terrible. Donc voilà pour celui-ci. Donc là celui-ci c'était de Dragon 2. Et j'en ai un autre que j'aime énormément. Donc de Dragon, la première série. Donc c'est exactement le même que je viens de vous montrer. Sauf que là c'est celui de Noël. Donc il a tout autour du cou. Eh bien comment ça s'appelle le collier de Noël, donc il est vraiment canon canon, donc ça je l'aime énormément. Donc voilà pour les dragons. Ensuite ceux-là vous les connaissez mais je vais vous les remontrer également, donc le bourriquet donc qui est comme ceci, donc c'est la même matière en fait que ce Stitch là, donc en tout doux. Donc ça c'est mon petit frère qui m'avait offert. Moi j'avais réussi à le trouver en classique, donc en gris. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, maintenant on arrive à le trouver assez facilement. J'étais un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Et je l'ai aussi dans la couleur classique, donc la couleur que tout le monde connaît, on va dire, chez Bourriquet. Pour moi, Bourriquet, le vrai Bourriquet, il est gris, hein, et pas autrement, j'ai envie de dire. C'est pour ça que dès que je trouve des peluches en Bourriquet gris, je suis hyper contente. Et alors, l'avant-dernière, donc qui se présente, elle est comme ceci. Donc là, on a le pack complet
avec Stitch, Angel et Souillon à l'intérieur. Celui-ci c'est celui qui m'a coûté le plus cher pour le moment, mais elle est vraiment vraiment sublime ce pack là. Donc ça elle est assez dure à trouver maintenant, mais ils sont vraiment trop canons. Et le dernier donc en date, c'est bien sûr Miguel de Coco. Donc ça vous savez, j'avais eu énormément de mal à le trouver. On trouvait facilement Hector et Ernesto, mais Miguel j'arrivais pas à le trouver. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé, maintenant on le trouve partout. Donc allez comprendre, j'ai toujours de la chance. Donc voilà pour celles que ça intéresse, les autres. Mais voilà, donc celui-là je suis hyper contente de l'avoir aussi. Faut savoir que ma collection va s'agrandir puisque il y a un nouveau de Stitch qui est sorti, mais pff, il coûte plus cher que celui-là. Il coûte dans les 45€, donc pour l'instant je vais pas le prendre parce que bah voilà, 45€ pour une figurine pop, je préfère mettre vraiment 45€ par exemple dans une belle, vraiment une belle figurine Stitch. Mais pour l'instant voilà, je les ai pas, donc c'est hors de question. Et j'aimerais aussi me trouver Dean et Sam de Supernatural. Donc je les ai trouvés sur un site, et moi c'est vraiment Dean que je voudrais avoir plus que Sam. Et Sam je l'avais trouvé à Micromania, mais c'est pas lui que je voulais vraiment, donc j'avais demandé et Dean n'était pas du tout prévu pour le moment. Et là j'ai trouvé sur un site mais en précommande, donc je vais attendre d'avoir mon salaire pour pouvoir me le précommander, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo bah, figurine pop, je vous l'avais promise, donc la voici. C'est sûr que ça vous change des vidéos beauté, mais comme je vous ai dit, la chaîne est vraiment plus diversifiée qu'avant, et voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir vraiment partager toutes mes passions avec vous. Je sais pas s'il y aura une vidéo vendredi, parce que là ça va être la vidéo pour demain, tout simplement parce que vous savez que le week-end prochain, donc le 4 et 5, je m'en vais à Paris, donc Primark et Disney. Donc je pense que je vais vlogger sûrement le dimanche et peut-être le lundi à Disney, je sais pas trop encore, je verrai avec Alan notre motivation, parce que ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été tous les deux, donc je pense qu'on va plus profiter qu'autre chose, je sais pas. Ou alors je vous ferai un vlog comme j'ai fait quand j'y suis allée à Noël avec de la musique, et je vous verrai juste les images. Donc voilà, donc je sais pas s'il y aura une vidéo ou pas vendredi, donc ne vous inquiétez pas s'il n'y en a pas une, parce que bah, le haul Primark arrivera par la suite, le haul Disney, etc. Donc soyez patientes. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye les filles !